Et Bamos, on se retrouve en plein milieu de ce match, en plein milieu du BO tout simplement. Je venais de finir mon match, Alastin toujours au cast, solo caster. Et on est là pour caster Yox, Icewalker et directement le spike de Icewalker. Yoshi sans saut, il ne revient pas. On avait un petit pop-off en plus à la cam là. Il est content d'aller la chercher celle-là. Beaucoup d'intensité dans ce BO de partout. Ça se comprend, mais le smash directement répond. Aïe aïe, les petits passements de jambes là. Yox qui répond. Ok, on trouve les combos. Dommage, on n'aura pas le up air derrière. Putain, l'œuf de Yoshi, vraiment ça le carry en neutral. Ok. Dommage, on n'aura pas le fer. On fait ce grab, up air. Dommage, on n'aura pas le suivant. Donc, on va mettre la pression avec les cailloux. Là, j'ai été tenté. Yox il passe par en dessous. Enfin, Yox il met vraiment la pression, hein. Il lui fonce dedans, il le laisse pas respirer. Il laisse pas le temps d'Icewalker d'installer son jeu. Et pour l'instant les pourcentages ils sont even. Ok, on va faire respawner un arbre. Là, HD est de nouveau disponible. Ok, Icewalker qui met son jeu de projectile en place. Ok, on va pas trouver le fer derrière. Le ledge trap, ok, air out of shield, ça touchera pas. Mais l'œuf qui vient sauver Yox de cette position. Down tilt, on va en tech chase, mais non, on passera par le ledge. Le back air, ça touchera pas. Mais je trouve qu'il essaye vraiment de créer de l'espace, hein, avec ce side B, avec ses cailloux. Et Yox, il doit trouver un moyen de passer cette zone. Le down smash, c'était bien tenté. Ok, on va utiliser le double jump pour revenir, on esquivera la boule de cooling, on trouve le pair, ça tuera pas encore. Yoshi c'est lourd. Ok, lâche, on esquive et on tue avec le pair. Ok, Yox, peut-être la dernière stock d'Icewalker du tournoi. A voir, en tout cas le back air il tue pas encore. Par contre je crois qu'on a plus de saut. Ouais, on va utiliser l'air dodge, down tilt, ça touchera pas. Ok, back throw, ouh. On a tenté le DI mix-up, mais on survit. On voit le soleil encore quelques jours côté Yox. On trouve le tilt. Oh dommage, on avait attendu l'air dodge, on l'avait vu. Et on se fera punir. Ce fer qui viendra prendre la stock. On va le chercher. Oh, je m'attendais à un fer. Dommage. Ok, on évitera le grab. Par contre, Icewalker avec les cailloux. Ça met 20% 4 cailloux. On voit dehors, encore le up air, dommage il touchera pas celui-là, mais le nerf, sans fin de cette situation, la hache est de nouveau de sortie. Nage, véritable arme de démolition. Et si on esquive la boule de bowling, c'est dangereux. On est plutôt bien dans cette dernière stock côté Yox. Le down air, ça le renvoie dehors. On va mettre la pression avec le caillou. On veut, on garde le contrôle du terrain. Le F-Smash un peu tenté au feeling. Ok, oh on aurait pu finir. Oh là là, oh, il joue la pression. C'est psychologique. Oh Yox il va chercher très loin. Malheureusement on l'aura pas. Dommage, on aura le pair malheureusement. C'est toujours pas fini pour Icewalker, il est encore en vie. 144% par contre, je pense que le prochain backer, prochain upper, ça va tuer. Mais attention, ok, le down B, on a tenté de mix-up. Mais Icewalker qui joue patient, il essaye de gratter avec ses cailloux, ses uppers. Ça touche. Pour l'instant, il gratte. Pas les pourcents qui. Et c'est très tendu, l'arbre! L'arbre qui viendra prendre la fin de la game! C'est pas juste! Et Icewalker qui avancera en loser final. Sur cet arbre, il enverra Yox qui finit à la quatrième place.